performance. On voulait jouer comme hier, avec intensité, et c'est juste qu'il nous fallait un peu de réussite. Ce soir, on l'a eu, ça a fait la différence. Ouais, qu'est-ce qui fait la bascule dans ce match-là? On met le premier but, on sait qu'ils n'arrivent pas à nous suivre physiquement au niveau du patinage. Et lorsqu'ils ont marqué hier les deux premiers buts rapidement, ensuite ils ont fait le dos rond et ils ont plié et pas rompu. Et aujourd'hui, on a marqué le premier et le deuxième but et ils n'ont pas réussi à suivre derrière. Et après, on a déroulé tranquillement. La logique de la série, c'est ça, c'est les fatigués. Il va falloir être intensif. Ça va être deux très gros matchs chez eux sur petite glace. C'est pas tous les patinoires qu'on aime jouer. Mais ça va être un beau match, je pense. Vraiment, ça va être deux très gros matchs là-bas. Ah, est-ce qu'ils ont pris l'avantage de la glace, donc il va falloir aller en chercher une quoi qu'il arrive chez eux. On n'a pas spécialement peur non plus, puisque l'année dernière, on avait un déficit de 2-0 lorsqu'on est parti d'Angers. On a réussi à reprendre l'avantage au 7e match. Donc, une demi-finale sur 7, ça ne joue pas au prochain match. Ça joue vraiment sur la totalité. Mais vrai, c'est vrai que le plus important, c'est vraiment le prochain match. 2-1 ou 7-1, c'est pareil, ou pour la confiance, c'est quand même bien de se faire plaisir comme ce soir? Je pense que pour la confiance des joueurs qui ont participé au pointage, c'est très important. Mais ce qui compte, c'est vraiment la victoire d'équipe. Ça fait un point pareil. On a vu hors de l'aller marquer deux buts, puisque tu parlais de ça, donc ça fait plaisir. Ah, c'est vrai que hier, pas faux d'avoir essayé. Je manque un énième penalty dans la saison. J'avais à cœur de me rattraper et je pense que ça fait plaisir à l'équipe aussi. Et le plus important, c'est d'avoir pris ce point à domicile.